Et bonjour à tous, bienvenue dans le matinal. Nous sommes jeudi 16 février et je suis en compagnie de Raph, streamer, régisseur, homme de l'ombre et homme de canapé, visiblement. Il Salut semble à tous! Je <laughs> suis bien posé là, ça fait plaisir. Ouais. ouais, ça va? Du coup, j'ai pris le fauteuil euh, du boss. Mais bah en même temps, c'est normal. C'est bien? Tu es on, est, on est bien en fait là-dedans, on dirait pas comme ça, mais. Effectivement. Alors, je ne suis toujours pas à hein. j'ai refait la blague sur Twitter comme hier pour ceux qui me suivent sur Twitter. Pourquoi je ne suis pas Amaury euh, C'est pas parce qu'il a été viré, au contraire. <laughs> si Non, <laughs> non c'est parce que chez Eclipsia, il y a les esclaves, donc c'est les stagiaires. Salut Tom. <laughs> Ensuite, il y a les larbins, donc là c'est le pôle vidéo dont je fais partie. Ensuite, c'est le pôle rédac. Ensuite, c'est les streamers, parce que ce sont des princesses. Et encore au-dessus, il y a les chefs. Et Amaury, bon, c'est un chef, donc il, a, il avait pas le temps à. <laughs> il, avait... il pouvait pas. Je suis une princesse ah oui, non, mais oui. <laughs> ah oui, non, oui bah, toi en plus t'es une donc. Qu'est-ce que tu vas dire, t'es une fille Donc voilà, euh, Amaury n'avait pas ce temps à consacrer au bas peuple. Et à vous, donc. Voilà. Non, mais il a des responsabilités. Non, ouais, ouais. En ce moment, Valouz est toujours en plus euh, bloqué du dos. Mort. On peut <laughs> le dire, il est mort. <laughs> <laughs> c'est pas sympa, ça, par contre. Donc voilà, on est entre nous pour cette matinale. Et puis, euh, c'est sympa, même, parce que le duo fonctionne bien. Donc on va continuer comme ça quelques jours. Effectivement. Et... Voilà. Alors, est-ce que tu as des petites news pour moi ce matin Ouais, parce que je fais du travail. Waouh, je dois préparer des choses. Comme au lycée. Ça fait plaisir des streamer. Alors, on va partir tout de suite sur de la technologie. Ouais. Une voiture technologique. Putain, faut que j'arrête de claquer des doigts parce que ça va me saouler sinon. Une voiture technologique. Tom, Un si tu peux nous, nous balancer le truc. les voitures hier. autonomes qui se conduisent toutes seules. Exactement, c'est une voiture okay. autonome. Ça s'appelle drive.ai. Je ne sais pas vraiment comment on le prononce, si c'est comme ça ou pas. Il y a une petite vidéo qui va vous être affichée. Alors du coup, c'est une voiture entièrement autonome. La meuf qui est assise au volant ne touche absolument pas à rien. le volant. On voit pas les pédales, mais elle touche pas aux pédales non plus. Ça me fait un peu peur, moi, perso. Et, bah ouais, mais non, en fait, parce que la voiture gère tout, toute seule. C'est-à-dire que là, tu vois, au milieu, tu as un écran. Euh, c'est une espèce de, de vue du dessus. Donc uh -huh. je sais pas comment ça fonctionne, mais la voiture doit avoir des capteurs tout autour d'elle. Et tu vois, tu as une mini-map, en fait, comme, comme si tu dans un jeu vidéo. ouais. Et la voiture s'est envolée. Bon, on va peut-être pas mettre toute la vidéo parce qu'elle dure 4 minutes, mais en gros, euh, si on fait vraiment attention, il y a vraiment beaucoup d'obstacles. Que la voiture dévie, par exemple. Il y a les voitures garées sur le côté. Qu Qu'est-ce qu que, que, es que tu nous fais là, Tom Qui hein <laughs> font vert là Il <laughs> y a les voitures garées sur le côté qu'elle doit gérer, les feux rouges qui sont HS, parce qu'il y, ouais. y en a dans cette vidéo. Il euh, y a des automobilistes qui coupent la route à un moment. Et les piétons qui traversent comme ça. Voilà, il y a ça euh... aussi. Enfin, il y a plein d'obstacles à gérer. Il y a aussi euh, là, tu vois, vu qu'il pleut, il y a des reflets sur le sol. Oui. Donc elle doit aussi gérer ça, se dire que bah c'est des reflets, c'est pas la réalité, tu vois. Mais... Des trucs comme ça. Et... Justement, j'avais vu euh, un article récemment sur une, une, le cas d'une voiture autonome, justement, où l'essai était, enfin, il y a eu un mort euh, pendant une, un essai, quoi. Bah oui, c'est le début des voitures autonomes. Donc en fait, l'intelligence artificielle doit apprendre à gérer tous ces obstacles qui sont naturels pour nous, tu vois. En fait, je exemple... veut dire si toutes les voitures était autonome, j'aurais plus confiance. Oui, bah bien sûr. Bah, de toute <laughs> façon, oui, les voitures autonomes, ça marchera que quand tu n'auras plus que ça sur la route. Parce qu'il y a toujours des, des bolos euh, qui. Bah, tu vois bien, dans Paris, qui roulent comme des tarés, etc. Ah, non, Et... Conduire dans Paris, c'était une épreuve. Hein. Oh, oui, c'est sympa. Bah, la dernière fois, bah, c'était ce week-end hein, que je suis revenu sur Paris. J'ai failli me faire emboutir deux fois. Donc, euh, voilà, ah, mais tu es cool. venu en voiture Moi, je viens tous, je, tous les okay. week-ends en voiture à Paris. Oh là là en fait, Grâce à ma méthode, cet homme est extrêmement beau. être comme lui, abonnez-vous. Et puis je reviens du coup le, le dimanche à Paris. Merci et... Saito Yamato Merci pour l'abonnement. Et, et ben ça, ça va, ça va bien. très bien. Et toi <laughs> Je ne verrai pas ta réponse, mais ça me fait plaisir. Enfin <laughs> euh, voilà. Et du coup, le volant, Et ça te fait pas peur dans Paris ouais, mais tu, tu Non, bah pas je suis habitué quand même. Ça. Non, bah c'est que sur la périphérie. En fait, tu vois, vu qu'on habite vraiment tout au sud, on arrive par l'autoroute et on est direct à la porte d'Orléans. T'as genre 10 minutes de périph. Et voilà mais bon tu quand même les tarifs parisiens Paris, qui qui roulent. Euh... Donc déjà je savais pas Merci où j'allais. Merci donc... pour ton abo. Merci Maïre Et 74. salut à toi. Déjà j'avais le GPS forcément parce que je ne sais pas où je vais, tu vois. Donc euh, je mettais le GPS mais parfois c'est ambigu parce que tu as plusieurs voies donc tu sais pas vraiment où tu hmm. dois tourner donc tu es un peu perdu, tu roules un peu lentement du coup tu te fais masque lacsonner par les gens qui sont pas patients. Tu as des vélos qui déboulent, des piétons euh, les motos qui roulent entre les deux files enfin euh, c'est vraiment oh, je euh... Paris quoi. Ouf, faut pas être cardiaque <laughs> en voiture, quoi, parce que tu... Ouais, effectivement. Bah, tu vois. C'est une épreuve. Et par exemple, ma copine veut absolument pas rouler dans Paris, et à chaque fois, elle est morte d'inquiétude quand, quand je viens, parce que bah... Ça lui fait peur. Ouais, à voilà, ça lui fait peur. Enfin, Mais bon, je suis je suis un je suis un, con, un conducteur d'exception. Oui. Après, dans la voiture en soi, si tu as un petit accrochage, ça sera pas. Non, oui, ça gelulant. va. Tu vois, si t'es piéton-vélo, là par contre, euh, tu peux oui. prendre cher. Quoi. Mais bon. Mais euh, voilà, c'était voilà, la nouvelle sur, euh, sur les voitures autonomes. D'ailleurs, euh, en parlant de voitures il y a Kailan et Kameto qui ont fait leur cours de conduite. Effectivement, ils sont revenus en vie d'hier. Ils sont revenus C'est important de le préciser. <laughs> Parce que quand ils ont on conduit vu... dans Paris même, on ne sait pas. Je... Bah, je pense que oui, mais quand on a vu le oh. tweet de Kameto, ça partait pas bien. Hein <laughs> bon en même temps enfin il a calé il a calé vraiment tout au début mais c'est normal ouais, c'était leur tout première monde, fois euh, tout le monde cale oui oui, oui c'était <laughs> ah, la première ça, fois de Kameto en tout cas je sais que Kaelen avait déjà un peu conduit avec son okay. père sur des parkings etc donc euh, je pense qu'il va parce que c'est vraiment conduire sur un parking bah au moins il a réussi ouais, à avancer sans caler au tu volant, vois, je pense. Ouais, je vois. <laughs> enfin bref euh... c'était quoi Manus d'après ah ouais balance c'est marrant ça alors tu... Tu t as envie de t'acheter des drones ou pas Alors j'aimerais bien, parce que quand je vois tous les vlogs avec les images, ouais. elles sont juste oufissimes. Et tu peux faire des plans cam vraiment sympas. Voilà, trouve. Bah, tu vois, moi qualité... je, je m'étais dit pareil euh, cet été. Mais bon, le ouais, truc c'est que... Alors c'est abordable, mais... Oh, L'autonomie est ridicule si tu prends une, euh, un drone à 200 euros, tu vois. C'est-à-dire que l'autonomie sur, sur un drone le... de 200 euros, ça dure à peu près 15 minutes. 15 minutes. Donc le temps de le lancer, qu'il aille en l'air, etc., le temps de le bon, faire euh, atterrir aussi, pour pas qu'il s'éclate oui. par terre, et bah, au final, tu joues genre 10 minutes avec. Et sur les drones de 200 euros, justement, parce que normalement, ils ont un système d'urgence qui fait qu'ils ils connaissent leur autonomie de batterie, ils font, bon, bah là, il est temps que ah. j'aille me reposer, ah ouais, et ça fait partie de leur... Euh... Bah peut-être. Bah, C'était sur... Euh... Ça devait être un vlog de War Tech où il expliquait ça. Parce que lui, ça a été un des premiers à faire des vlogs avec des drones au euh, mmh. niveau français, je parle, les vlogueurs, youtubeurs. Peut-être pas le seul, mais en tout cas le plus connu. Et, euh, et il expliquait ça. Mais son drone, il ne coûte pas 200 euros, si tu veux mon avis. Oui, voilà. Bon, en fait, le truc, c'est que si tu veux avoir une autonomie d'une demi-heure, 45 minutes, là, ça va monter vers les 1000 euros très, très vite, tu vois. Donc, euh, bon, du coup, je voulais un drone cet enfin, été. Je 1000 me suis dit, euros, je vais peut-être attendre quand un... Quand même, un peu. même, hein. Ouais, bah ouais, ça fait plaisir. Bon, après... C'est des beaux drones, tu vois. Mais bref, on va pas parler de ça. On va parler d'une course de drone. Une course de drones. Qui est vraiment très très ça cool. Ça y est, la compétition, mais genre c'est. Voilà, c'est ça. C'est sur un stade. En fait, tu peux balancer la vidéo. C'est dans un stade avec plein de néons partout et oh, voilà, une course de drone Et je vous laisse apprécier la vidéo. Pareil, on va peut-être pas la mettre en entier, mais What's quand je vois ça, j'ai juste trop envie de m'acheter un, un gros gros drone. <laughs> mais ça, ils sont petits, hein, par contre, il me semble. Ah oui, bah là, ils sont ils sont minuscules les trucs. Oh c'est génial Bon par contre si vous avez un peu la gerbe en regardant ce genre de vidéo, le... fermez les yeux. On dirait du squidch <laughs> Hier on a vu la vidéo d'Harry Potter où il fallait passer dans des arceaux euh, ah, quand oui. tu faisais du <laughs> Enfin voilà, bon, ouais, un stade décoré avec des néons comme ça et tout, je, ça, ça me ferait trop kiffer. Ah oh, c'est sympa de ouf je trouve. Effectivement, celui qui, qui conduit le drone doit pas avoir la gerbe non plus quoi. Ouais <laughs> Ouais et puis bon il... c'est chaud à conduire des drones hein. enfin là tu vois ils vont assez vite et tout bon, à la fin tu vois justement la, la vidéo se finit où il t'a le drone qui filme cette vidéo qui se crache je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais ah bon, ouais. c'est marrant enfin tu vois tu vois le truc il passe euh, il passe dans un cerceau à la fin et pff, ça part dans tous les sens et il est au sol et bon, la vidéo se finit comme la ça à quelle vitesse ça va là, ça va c'est vite quand même hein. ouais ça va assez vite tu peux remettre le petit passage dans le stade je sais pas si t'as fermé la vidéo quand il passe dans le stade ça va quand même très très vite Bon après c'est pas insane mais quand t'es dans les couloirs, dans les coulisses de, du stade, ouais là ça va très vite tu vois. Oh. Ouais ouais si... Je sais pas, pas à combien ça va honnêtement mais euh... On va dire que ça va plus vite qu'un du qui court quoi sur le chemin du drone, là. Voilà, tu vois bah ça c'est la fin et il vient de se prendre un truc et... Voilà. Donc, c'était euh, les drones. J'ai trop envie de m'en acheter un quand je serai riche. Je pense que je m'en achèterai un tuné comme là avec des néons et tout. <rire> <rire> et je ferai des conseils moi-même. voilà. Je drone. <laughs> exact. Euh, on va rester dans la technologie. Si je dis pas de conneries, ça va concerner des tours, c'est ça, Tom Ah ouais, bah non, ouais, c'est ça. Je suis désolé, j'ai préparé mes sujets, mais je les ai pas notés. En... Ah j'ai oui. pas fait la liste, du coup, c'est con. Euh... Balance la vidéo, je vais en parler. Tu peux la mettre à peu près à une minute, une minute 15, je pense. Alors tu vas voir ça a un lien avec la vidéo qu'on a vue avant. Donc un drone Non, non c'est pas un drone en fait, c'est censé être un alien tu vois. Un alien, un alien filmé au Mexique, c'est l'arrivée des aliens, des extraterrestres. Regarde bien là au milieu, t'as un petit truc qui vole. Exact. Voilà c'est tout, c'est juste une, une caméra de surveillance au Mexique et... Voilà, Il y a un petit truc qui vole. Soit c'est vraiment l'arrivée des extraterrestres, soit c'est juste un drone. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis la suite de la vidéo d'avant. Et c'est tout. Hein. la est... forme est super bizarre. Voilà, la forme est bizarre quand même pour un drone. Moi bon, après, euh... Mais ça a l'air hyper petit. Ouais, c'est petit. Mais après c'est pareil, tu vois, ça peut être, ça peut être du montage. Enfin, c'est très facile à faire au montage, ça, par exemple. Et pourquoi la première pensée vient à des extraterrestres bah, parce que c'est un truc qui vole non identifié. Enfin, ça un pourrait pas, quoi. Ça pourrait être un fantôme. Un fantôme avec une ombre et tout. Non, c est, c est ah, ça... mais y'a quelqu'un genre. Euh... Ouais, y'a quelqu'un. C'est ça le plus intriguant. Genre le mec vient. Et il sent pas les couilles. Il fume sa clove. Enfin, il reste stoïque devant, euh, devant le drone quoi. Donc bon. Moi je pense que c'est un drone. il Y'a trois choix. Du plus plausible. Lui qui le pilote, au moins plausible. C'est soit un drone un peu bizarre, j'avoue. Soit un montage tout simplement. Ou bah, un ovni, mais là, euh, là, là ça fait peur. Là. Enfin bon, voilà, c'est tout. C'était juste euh, une petite transition avec les vidéos d'avant, vu êtes que c'est sur le Alors, oui. Parce que, pourquoi nous, on serait les seuls vivants sur la Terre, tu vois Enfin, il oui. y a une planète qui a de la vie, pourquoi pas d'autres oui. Sur les milliards et l'infinité de planètes qu'il y a, pourquoi il n'y aura que nous, tu vois ah, moi je partage ton opinion. Après, pourquoi ils viendraient nous, il nous visiter Ça, euh, ils ont aucune oh, il raison de, de venir nous visiter. Il a théorie là-dessus. Hein, comme quoi, même, ils sont déjà un peu installés là. Euh. Et bah, je t'invite à regarder l'exoconférence d'Alexandre Astier, ouais. qui est un acteur que je respecte énormément. Et justement, il parle de tout ça, le, les, les aliens, etc. C'est super intéressant. Et j'en dirais pas plus. Allez regarder son spectacle. Parce que moi, je qu suis fan d'Égypte antique. Il y a plein de références aux extraterrestres de tout temps dans les dans les traces quoi. De... Oui, genre c'est eux qui vie. auraient construit les pyramides ou des trucs comme ça. Ouais, dans ce style-là, oui. Effectivement. Donc peut-être. Euh... peut-être question peut quand pas, même. Je pas. Hein ouais, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, Aujourd on, on va parler, parler de hein, Tours. Peut de... parler de Tours, mais toi, tu viens ouais. de Tours. Non, de Tours euh... gratien Ah, Donc... <rire> <rire> bah ça pourrait Alors... on aurait pu parler de la ville de Tours. Effectivement. Ça aurait pu, mais j'étais pas non. assez clair. Euh, il va y avoir une tour rotative qui va être créée. Devine dans quelle ville. Alors une tour rotative, ça coûte cher. Hein, quand euh, même. Je pense que c'est vers Dubaï. Ou ouais, chose bah, comme ça. voilà, c'est voilà. exactement à Dubaï. Tu peux balancer la vidéo, Tom. Alors c'est une tour qui Les va qui faire. C'est bah, un gratte-ciel. Hein. Très clairement, tu peux avancer un peu, en gros. Voilà, je wow. mets, remets un petit peu avant. En gros, voilà, c'est un building dans ce genre-là. Voilà, ça va être ça. Ça, c'est la tour ah, qu'ils veulent ça va être créer. L'autre était plus jolie. L'autre la était, était plus joli, effectivement. Vague. Mais je crois que ça va être un truc comme ça qu'ils veulent faire. Ça. Ça, c'est beaucoup plus sympa. En gros, s'ils en font un et que ça marche, t'inquiète pas qu'ils vont en faire plusieurs. Et. Bon, c'est une tour qui va coûter, je sais pas combien. Hein. Je crois que... Par contre, t'as pas le tournu au bout d'un moment parce que là, ils nous font... bon, ils ont fait une avance rapide parce que ça tourne méga vite. Hein. Oui, oui, oui. Normalement, c'est 90 minutes pour faire le tour, un 360 degrés. Ok. Bon, 90 minutes, c'est quand même long. Et je crois que l'appartement là-dedans sera vendu à peu près à 2 millions d'euros. Je crois. Est-ce qu'on ne jouerait pas à million pour s'acheter <laughs> un appartement là-dedans Pourquoi pas Après, il faudra pas se plaindre. Ça, on dirait non. un Rubik's Cube. Effectivement, c'est très bizarre. Enfin bref, c'est... C'était étonnant. C'est très bizarre. En fait... Après, il y a déjà genre, c'est à New York, je crois, il y a un restaurant d'altitude un peu qui tourne comme ça. Ouais, peut-être. Mais ce qui m'étonne, en fait, c'est que dans la vidéo et dans la news, ils disent que L'acquéreur de l'appartement peut tourner lui-même euh, ah oui, son tour. Ce ne sera pas un joli truc uniformisé comme ça. Hein si chacun tourne la tour des carrés, ça tournait comme, oui, euh, comme oui. n'importe comment. Mais, Mais ce que coup, je me moche. demandais, c'est que si c'est toi qui choisis comment tu vas faire tourner ta tour, ton appart c'est tout l'étage. Parce que s'il y a plusieurs apparts sur un étage, Genre ça va ah chez oui. les autres genre oui, oui. toi non, tu non, vas tourner non, sur la gauche et l'autre va vouloir tourner à droite ouais, ou quoi ouais, Non ça me semble c'est un appartement circulaire euh, Donc tout est à toi. je pense que ouais, en un que appart c'est vraiment sur un étage donc ouais, euh... mais 2 millions euh, l'appartement euh... ouais, ouais, mais ça veut, ça veut dire peut, que l'appart c'est pas parce qu'on être... ne sait pas en superficie euh, ce ultra que ça grand quoi. On voit une petite tour normale euh, posée au calme. Alors, cette tour normalement elle verra le jour en 2020. 2020. Donc dans trois ans. Dans trois ans, Donc elle sera le en temps de construire un building. C'est à peu près ça. Ouais, vraiment, bon, là, c'est pas un building classique, tu vois. Oui. Surtout que c'est un gratte-ciel, etc. Donc à Dubaï, ils sont chauds quand même. Bah, as vu tout ce qu'ils ont fait, leurs îles artificielles. Euh... Effectivement. Ils sont pas à leur premier coup d'essai en manière de révolution oui, vrai, architecturale. Ils, quoi. Sont, ils sont un peu, un peu tarés. C'est sûr riche. que ça allait pas Pour être euh... Paris. Parce que par rapport à la tour Eiffel, je crois qu'il y a une hauteur limite pour les immeubles. Bah alors attends, justement, la tour Eiffel, on va y venir. Ah. Parce qu'il va se passer un truc avec la tour Eiffel. Putain, je fais une transition sans le vouloir. Bien joué à toi. <laughs> Est-ce que tu as vu la série Under the Dome Oui. Ouais, tu sais que la ville est sous un dôme. Oui. Bah ça va être le cas de la tour Eiffel. La tour Eiffel sous un dôme. Un dôme de verre pour la protéger. Pour la protéger de quoi Des attentats Ouais. y j'ai juste une image. Non, en fait, je déconne, c'est pas un dôme. Ça va juste être genre une barrière de 2,50 m de haut, tu vois. Mais pourquoi bah Pour la protéger des balles en fait. Enfin, ouais. Justement des attentats, etc. Tu vois, le, le, la masse, tous les, tous les visiteurs et tout qui vont à l'intérieur, il peut y avoir un attentat sur la Tour Eiffel, il y aurait des... énormément de morts, je pense. Et du coup, ça doit être pour ça qu'ils veulent faire ça. Donc, ils veulent juste construire un mur de 2,50 m autour de la Tour Eiffel. Mais c'est chelou C'est complètement con, oui. Effectivement, on peut le dire. Donc on voilà, j'ai trouvé ça. C'est plus du tout pareil, hein. Ouais, effectivement. Et tu vois les, les news, c'est genre euh, la tour Eiffel derrière un mur de Vous verre, pas etc. Pas faire je juste pensais que c'était genre euh... périmètre de sécurité euh, comme ils font déjà actuellement. Bah, s'il y a des barrières quoi, mais bon, pour protéger les balles, apparemment ils veulent faire un mur de verre. Proté Moi, je proté pensais que ça balles. allait être un mur de verre. Enfin, euh, Oui, bon, ça va être un mur par balle quoi, tu vois. Oui. En mais... gros. Oui, ça n'a aucun sens. hein. Tu peux le dire. Oui, c'est ça, c'est un ça peu le hein, Du coup, euh, même si ça passe pas au-dessus, encore heureux parce que tu serais dans la boule à neige de Paris. Quoi. Oui, bah oui, c'est ça. enfin. <laughs> euh, bref, je pensais qu'ils allaient faire un, vraiment un gros mur, tu vois. Et j'ai lu 2m50. Je sais là, bon bah les gars, ça sert rien. Ils balancent la bombe par-dessus. Qu'est-ce que c'est que puis, ça Ah, c'est des petits tweets. Ridicule le mur de verre pour clôturer l'esplanade de la Tour Eiffel. On s'aide à la psychose. <laughs> Quel crétin pense que On mettre un, un mur un autour de la Tour, de tour Eiffel empêche ainsi des victimes d'un attentat. Oui, c'est vrai. Oui, vrai parce que... <laughs> ah, c'est vrai <laughs> que si, année, me si voilà. le mec fait <laughs> l'attentat à l'intérieur, bah bon. les gars sont bien cons quand même. Mm. Mais bon. Voilà. <laughs> c'est Ouais, c'est Donald Trump en fait, c'est un peu ça. À plus petite échelle quand même. Mais bon. Euh... Ensuite, attends, que je m'en mémoire bien, ça concerne des films. Ouais, c'est ça. T'as vu Les Gardiens de la Galaxie ou pas Non. Mais j'ai vu la bande annonce euh, du, des gardiens de la galaxie. 2 tu vois à peu près qui sont les personnages Super Ouais. T'as un raccoon et oui. surtout t'as un arbre. Ouais. Ça va spoiler, attention. À la fin du 1, en gros. Ah Ah <laughs> ouais, il est carrément Bah, en fait, si tu regardes juste la bande annonce du 1 et du 2, tu verras qu'il y a un souci. Parce que moi, je veux pas spoiler, mais dans le 1, Groot, il est grand et dans le 2, il est tout petit. Oui, c'est peut-être. Euh, c'est avant Peut-être. Oui. <laughs> je dépasse pour Alors du là. coup, euh, est-ce que tu connais les figurines pop Oui. Ils vont sortir une figurine pop sur Groot. Ouais. Ce qui est marrant du coup, c'est que Ils ça va pas être Groot. une figurine pop avec sa grosse tête, euh, un truc comme ça, tu vois. Tu peux mettre l'image. C'est une figurine taille réelle de Baby ah. Groot. En gros, donc elle va faire à peu près cette taille, je du pense. coup, ça fait pas film, très pop. Pas... Alors je sais pas si ça doit pop, être hein. la même marque peut-être qu'il le fait, mais... C est... C est oui, c'est ça, c'est pas de la même collection, pop, mais quoi. en gros, voilà, c'est une figurine à taille réelle. Donc euh... okay. le beau taille réelle me fait rire, parce que bah, du coup, Baby Groot est tout petit, il doit faire, je sais pas, 30-40 cm. Et elle va coûter que 25 euros la figurine, donc euh, c'est plutôt sympa. Je crois qu'elle est... va être disponible dans, dans une box. Euh... Vous savez, les box, vous avez plein de choses dedans. Ah oui, euh... ce genre de box. Euh... Euh... J'ai vu box ça sur le journal du et geek, etc. donc si ça vous intéresse... Je te un coup d'œil. Puis voilà, ça peut Après, vous faire une trouve figurine Après, je est un peu flippant en décoration. Ouais, ouais. <laughs> Celle-là est pas très belle, j'avoue. Bon, ouais, c'est mon choix. Baby Groot est, est mignon normalement, mais tant pis pour lui. C'est triste. Je suis désolé, je viens de prendre une inspiration <laughs> parce que avant-hier, mon enfance a été ruinée par une vidéo, une vidéo de Pokémon. Oui. Tu connais Pokémon, bien sûr. Bah, bien sûr. D'ailleurs, tu euh... connais le générique de Pokémon, bien, oui, sûr. bien sûr. Thomas, Tom, pardon. Est-ce que tu peux nous balancer le générique de Pokémon juste quelques secondes, histoire que tout le monde se remémore ce que c'était ah, euh, Tu peux nous mettre l'image aussi, peut-être, <laughs> parce que c'est surtout l'image qui va compter après. Voilà, bon, vous voyez tout ce que c'est le générique. Tu peux nous enlever ça et nous mettre le lien suivant maintenant. Et vous allez comprendre pourquoi mon enfance a été ruinée. Quelqu'un a fait une parodie. Euh, c'est pas une parodie, c'est plutôt un fan made en gros. Quelqu'un a fait le générique en 3D. Ah! Alors, sur certains Pokémon, ça rend bien et classe. Sur les personnages, en revanche, c'est très moche. Sur Sacha, Ondine et Pierre, c'est juste horrible. Ça va encore, je m'attendais à pire quand tu disais que ton enfance avait été ruinée. Mais il t'en fout quand tu vois, Attends, les, les textures sont super lisses. Articodin, normalement, il n'est pas lisse, tu vois. Ouais, mais... Toutes les textures sont le lisses si il est lisse. Donc c'est pas ultra choquant. Regarde, regarde la gueule de Sacha. Bah tu peux pas, pas dire qu que c'est choquant. Il a eu un petit lifting. Ouais, mais il est moche, je suis désolé Regarde, regarde-moi ça. <laughs> c'est dégueulasse, elle ne ressemble plus à rien à elle. Je <laughs> sais même plus son nom, tellement je suis choqué oui, mais est-ce que tu peux reconnaître qu'il y a du taf quand même Il y a du taf, j'avoue. Et Sur certaines scènes, c'est très bien fait. Mais toutes les textures sont ultra lisses. Je trouve ça un peu cheap ouais, en fait. Tu vois Tout est lisse, donc c'est pas ultra choquant. Je sais pas ce que le bon. Alors attends, ok. Bon, Enfance ruinée, euh, immonde. On dirait un générique de oui, pas d'âme. Je m'attendais à une vieille reprise. Ouais, Non, non mais les, les le gars, c'est le feu, c'est ok en vrai, c'est de la pâte à modeler. Voilà, c'est de la pâte à, <laughs> à modeler, voilà. Merci, merci mec de me, de me soutenir Horrible. un peu. Dégueux cette Dégueu 3D, 3D, voilà. Et quand tu vas sur le sur le YouTube de cette vidéo, tous les gens sont là. Euh... Ouais, c'est dégueulasse en fait. Enfin, c'est bah, la en fait. peine pour le mec qui a fait ça, cette passé news, j'ai trouvé. Le et les gens vont le casser, et de ouf. J'ai trouvé cette news sur le, le journal du geek, ou du gamer, je sais plus. Et. Euh... Celui qui a, ré a rédigé la news, il était là. Oh putain, c'est un truc de ouf, c'est trop bien fait et tout. J'ai lu les commentaires en bas, c'était genre euh, Ok, le mec a passé deux heures sur son logiciel de 3D, il s'est amusé, c'est un débutant et tout. tu vois. Ouais, bah, peut-être. Peut-être. Mais on mais... t'imagine lui niquer ses, premiers, euh, ses premières armes, peut-être qui... Non, enfin, je en sais vrai, pas. en vrai, je suis méchant. C'est bien fait. Mais je suis pas fan. Je préfère quand même le, le, truc du, le, le générique de base. voilà. Euh, pour finir, j'avais une dernière news. Sexuel. Oh, parce que <laughs> attends, moi j'avais des news sur Pokémon sinon euh, pour faire le lien. Ah non, ah oui, si. Ouais. Attends, est-ce que ça va parler de l'application Pokémon Go ou pas Bah bien sûr. Bah bien sûr, bah je vais te laisser en parler plus tard. Alors. Pourquoi t'avais prévu d'en parler Bah oui, enfin c'était juste pour en parler vite. Quand voilà, même. bon bah il y a Pokémon Go deuxième génération qui sortira sous, alors on n'a pas la date précise, mais c'est cette semaine. A... En gros, c'est à la fin de l'événement de la Saint-Valentin. Que sortirait la deuxième génération de Pokémon. Ah, c'est un trailer de la deuxième génération, ça Ouais. Ça se fait plaisir. Waouh, on va escalader des montagnes pour trouver des Pokémon légendaires. Alors, c'est quoi cool un tir Mais j'ai attend. C'est vrai. Mon petit, mon petit Germignon, là, ça me ferait plaisir. Ouais, bon, je suis bien moins hype par les Pokémon de la génération 2 que par euh, les Pokémon de la génération 1, forcément parce que moi c'est la génération 1, c'est ma génération de Pokémon, tu vois. Moi c'est les deux premiers justement. Euh... Euh, j'ai commencé comme tout le monde avec euh, jaune, bleu, rouge, tu vois. Ouais. En revanche la version or et argent j'ai dû la faire au moins fois. Mais moi ça c'est arrivé, arrivé au moment, enfin juste tu vois au collège et tout, il y avait plus Pokémon quoi. Oui, sûr. Donc euh, moi je suis dans la tranche d'âge voilà où on a quasiment connu que la génération 1. Je me suis matée quand même pour le kiff, hein. je voulais me faire euh, l'intégrale de la série Pokémon à un Ouh moment. Mais il y a quand même massé d'épisodes et j'ai saturé à la saison 5. Ah, t'as loin quand même. Ouais. Ça va. <laughs> Parce qu'il y a 2-3 ans, j'ai réessayé de tout regarder comme ça. Enfin, tu sais, en vacances d'été quand t'as rien à faire. J'étais ouais. sur Dofus en même temps, je regardais mon, ma, petite, <laughs> ma petite série. quoi. Ça m'a vite saoulé en fait. Je sais pas pourquoi. Ça m'a vite saoulé, j'ai arrêté à la saison 1, hein, genre 15 épisodes. Et par contre, ce qui me hype là, avec la deuxième génération qui c'est qu'il va y avoir les bébés Pokémon, notamment Tokepi. Et Tokepi, j'étais une grande, grande fan de Tokepi. C'était le Pokémon que je kiffais le oh, plus. T es, t es trop mignon, quoi. et puis il était tout le temps dans les bras d'Ondine. Enfin <laughs> euh, voilà, trop mignon, quoi. Et en fait, donc ces Pokémon-là, on, on pourra avoir plusieurs bébés Pokémon, mais que dans des œufs à des Pokéstops, dans des œufs de 5 km. Voilà, c'est la petite info que j'avais. D'accord, ok. En plus. Et euh, par contre, Pokémon Go, je pense qu'on va y jouer. On va aller euh, dans Paris euh, chasser des Pokémon. Et moi, ça va me changer la vie parce que Pokémon Go, euh, j'y ai joué. J'étais euh, en Bretagne. Ah oui, bah là, du, du coup, coup, coup j'avais un Pokéstop en fait. tous les. Euh... <rire> <Non> <rire> à bah... la ville, il y a 20 km de chez moi, tu vois. T'as lancé l'application à Paris ou pas et ratata, euh, un ratata tous les deux kilomètres à peu près. Euh, j'ai non, j'ai pas lancé depuis que je suis à Paris parce que je sais pas, j'ai un problème de... de taille de sauvegarde sur mon téléphone. De stockage. Okay. De stockage. Ouais, voilà, je cherchais le mot. Merci. Ah, et du coup, vite, hein. Pokémon Go, ça prend énormément de place. Pour l'utilisation que j'en avais, je l'ai vite supprimé. Mais déjà, j'avais joué un petit peu à Bordeaux. J'avais été dans un parc. Waouh, ça m'avait changé la vie, quoi. J'avais capturé masse Pokémon, en plus il y avait des leurres partout, c'était le feu, mais c'était déjà un peu la fin de la hype. Ouais. Bah, je t'assure qu'il va falloir faire du vide parce qu'on va certainement y retourner dans ouais, m'a euh, dit que je prendrais le téléphone de la boîte parce que moi mon ah téléphone bon il agonise, tu vois mon écran est en train de rendre l'âme. D'accord. Et à tout moment j'ai un écran noir et tout ça, donc si je suis en train de capturer un, un Pokémon, imagine ma déception, <laughs> ma frustration, <laughs> la rage qui va s'emparer de moi. T'inquiète, non, non puisque ce sera dans un neuf, donc euh, je ne pas concerné pour ça, mais. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, je trouve l'application hyper originale, le fait de capturer les Pokémon et tout. Et j'ai été aussi hypée, forcément, quand c'est sorti et je voulais y jouer comme tout le monde. Et quelle ne fut pas ma frustration Oui, sûr. en voyant qu'il n'y avait que des ratatas par chez moi <laughs> Le truc, c'est que oui, dès que tu es en campagne, c'est juste impossible de jouer. Mais je comprends jouer. pas pourquoi un tel déséquilibre. En fait, ils se sont basés sur, euh, sur un autre jeu qu'ils avaient fait avant, qui n'était pas du tout Pokémon. Et en gros, bah, cet autre jeu, ils... ils avaient mis que des points d'intérêt dans les villes. Et vu qu'ils ont repris ce système pour Pokémon, je, je me souviens plus de l'autre jeu ou quoi, ne m'insultez pas, merci. Mmh. Euh... Oui, en gros, ils avaient repris le truc d'un autre jeu et cet autre jeu avait juste pas fait de truc dans les dans les campagnes. Euh... Je sais pas trop pourquoi non plus, mais bon, bah, tant mmh. pis. Enfin, c'est un peu souvent quoi en les, gros, roucou, si les, les ratata, points d'intérêt sont en euh... fonction de Google Maps. Euh... Je sais pas comment ça marche en, en fait. En plus je m'étais dit, bon j'avais tester d'aller près de la plage et tout, problème la 4G marchait pas forcément. <laughs> marchait pas forcément, il y a la connexion aussi qui joue. Et je me suis dit peut-être que j'aurais plus de chances de trouver des Pokémon aquatiques. Mais en fait pas du tout, c'était des Pokémon électriques. Oui. C'est ça qui est un peu bête aussi, parce que euh... là tu vois dans le trailer encore, genre tu montes dans les montagnes, tu trouves un bonfant, tu vas à la mer, tu vois un Kaiminus. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça. Ça marche hein. pas comme ça, arrête de te foutre de nous. <laughs> mais bon oui, forcément c'est pour hyper, hyper les gens à nouveau. Et Je pense que ça a marché, mais... Encore moins que cet été, tu vois. C'est normal. Ouais. Est-ce que tu penses que la hype est un petit peu passée Ah, bah, elle est morte, là. Ouais. Y a plus personne qui Carrément, joue, tu penses que la sortie de la deuxième génération de Pokémon va pas rebooster un peu Si, ça fou. va relancer, mais deux semaines. Ok. C'est quand ça... même le jeu qui a fait The Buzz. Ouais, cet été, ça a tenu international. un mois, un mois et demi, je dirais. Voire deux. Mais là, tu vois, relancer une nouvelle génération, oui, Ils ça, ont va, trop ça tardé va marcher. Mais ça va sortir, tu penses entre autres, mais il y a aussi beaucoup d'autres problèmes sur le jeu, comme euh, le fait qu'il n'y a pas d'échange entre les joueurs de combat, alors de vrais combats en fait, des combats tactiques mmh. euh, comme sur les... Bah, les jeux actuels. Puis le GPS n'était pas fiable et il l'avait même supprimé pour ça un moment. Et euh, surtout en fait, la gueule de la map, ça m'a refroidi quoi. La map est dégueulasse, je trouve. Mmh. Donc bon, voilà. Après, il y a des téléphones aussi, c'est un peu moins sympa, qui ne prennent pas en charge euh, l'environnement. Et du coup, bon, t'as un Pokémon dans un jardin 3D, tu vois, mais oui. euh, c'est plus marrant quand tu les vois dans la ville où t'es en train de marcher. Et que tu oui, c'est les... sûr. Bon, bref, de toute façon, on en a déjà bien assez parlé cet été, et je pense que vous allez en rebouffer d'ici quelques jours. Donc voilà. Ah, ah, c'est intéressant, ça, voilà.

on voit que les, les ports porcs entre guillemets qui vont sur la Saint-Valentin le jour de Pornhub sont quand même plus euh, romantiques que les porcs qui vont sur Pornhub. Euh, ok. Voilà. Donc pour toi c'est forcément des, des non, porcs dé, les gens qui déconne. vont sur Pornhub. Je déconne. Je déconne. Bien entendu. Hein. Mais bon voilà okay. en gros tu vois que les, les mots les plus recherchés c'est genre love, passionate, romance, etc. Bah, tu vois pour etc. moi ça quand je vois les mots recherchés ça me fait plus penser à des couples qui ont eu envie d'épicer leur Saint-Valentin en allant chercher un, un petit film en gros, euh, à regarder à deux. Tu en vois. gros c'est pareil sur Tinder. Euh, t'as eu un pic le soir de saint Valentin. Ouais. Et au contraire, sur les sites porno, t'as eu genre moins 20% de... de personnes. De chiffre d'affaires. <laughs> voilà, c'est ça. <laughs> bah, c'est exactement ça. Et donc, en gros, bah, ce qu'on peut en déduire, c'est juste que les gens préféraient faire des trucs à deux, même avec euh, un inconnu ou une inconnue, bah, plutôt que passer leur soirée seule euh, sur ce site. Tout quoi, tu vois. Ah, le premium ah, le premier était premier gratuit. Le premium était okay. gratuit. Oh merde, j'ai loupé ça. Qu'est-ce qu'ils sont pas obligés de faire pour compenser euh... <laughs> On bah, pensez après, la perte de viewers. C'est 15 jours, c'est pas bien grave. Hein. C'est 15 jours. à croire que c'est la Saint-Valentin, donc forcément c'est. sexe programmé quoi. Bah bien sûr. <laughs> Avec ta partenaire. Bah bien sûr. <laughs> bah non, pas forcément. Ah d'accord. Bah, je sais pas, qu'est-ce qui oblige à fêter déjà la Saint-Valentin euh, Ah, est rien, j'ai pas un truc en particulier ce jour-là. Je sais pas, c'est juste que le sexe est plutôt agréable. Donc bon, quand t'as une bonne occasion oui, mais de mais le faire... Tu pas obligé euh... d'attendre la Saint-Valentin spécifiquement Ah, je dis pas ça. Tu peux le faire le jour avant, le jour après, bien euh, sûr. les deux semaines avant, les deux semaines après, et pas forcément... Mais c'est ce juste... Jour euh, juste, un... juste pour bien un... emmerder un... le monde et pas faire comme les autres, tu vois Ok, <laughs> <laughs> okay calme-toi. <laughs> non, c'est juste une occasion que ce soit plus, euh, plus, plus, quoi, c'est tout. Fin... Je sais pas. Tu trouves que ça t'apporte... Un petit truc en plus, des plus moustiques. Hein non, non, seul... je, je sais pas. Je... Il y a des papillons dans le ventre On euh... va, on va changer de sujet. <laughs> J'ai fini tous mes sujets, moi, de toute, toute façon. Des cœurs dans les yeux. <laughs> je commence à être mal à l'aise, les gars. Sauvez-moi. <laughs> <laughs> oh non, mais je déconne. Voilà, ouais. tu vois, Rajman fr 2 sur le chat qui a tout compris Saint Valentin égale la baise. Merci beaucoup. <laughs> tu as tout compris à l'esprit de la Saint Valentin. Non, tu vois, la Saint Valentin, ça a plus tendance à me couper l'envie. Ok, bah. il ah, y a du pour, il <laughs> y a du contre, on pourra en débattre, mais là n'est pas le sujet de cette matinale. Alors, qu'est-ce que j'avais moi à vous dire Alors, vous l'avez vu hier, peut-être, euh, si vous avez suivi la petite émission Black Coon, ça y est, officiellement chez EC. Oui. Voilà, c'était pour la Psyniou, c'était pour le redire si vous aviez raté cette info. Donc, il sera euh, avec nous pour la petite émission, en plus, enfin, tous les soirs avec. Amy, il sera là tous les soirs, ok. Il fera d'autres émissions, c'est chez Eclipseia ou c'est vraiment juste la petite émission. Pour l'instant, c'est juste la petite émission. Il est laissé entre guillemets jusqu'à la fin du mois, voir si ça se passe okay. bien et voilà. Pour ceux qui ne regardent pas la petite émission, etc., Blackoun, c'est un peu notre spécialiste manga, je manga crois. Manga animé. Ouais. Et spécialiste du rire bizarre aussi. <rire> Alors, il, a, il a un rire très communicatif et euh, il rigole tout le temps. Voilà, bref, c'est black j'aime bien. Je le connaissais pas du tout avant qu'il vienne et euh, je sais pas il est, il est cool il se prend pas la tête et tout c'est marrant ouais j'ai suivi un peu je l'ai rejoint sur Twitter donc lui il joue à LOL principalement en fait ah bon ouais ben je... c'est un pote à okay. DFG ah oui bah oui c'est vrai et du coup il joue avec lui après j'ai pas vu d'autres jeux dans ses tweets donc euh, j'aurais pas dire s'il joue à d'autres jeux mais euh... très sympa comme garçon hier il y a eu un débat sur les féministes ouais bah j'étais en régie hein. moi je me suis bien je me suis bien amusé c'était <laughs> <'était> plutôt marrant <laughs> et alors, est-ce que tu connais la structure M19 Absolument Peut pas. Peut-être pas. Euh, en gros, c'est une structure e-sportive russe qui vient d'être rachetée. Enfin, disons, il y a des investisseurs qui se sont mis dedans et ils leur ont offert une petite modique gaming house à 22 millions d'euros dans un manoir du 18e siècle pour que l'équipe de League of Legends s'entraîne. Ouais, bah, ça fait plaisir quoi. C'est un petit peu un l'art du que j'ai envie de dire. Alors, fais voir, fais voir moi tout ça. Voilà. Ma phrase n'était pas française, c'est pas grave. Sympa quand même. Elle est où la salle de jeu Je veux Attends, voir la salle de je jeu. Je pense qu'on va y venir, <laughs> euh, tu penses Oh là là, regarde, ils arrivent tous en BMW. Aucune idée d'ailleurs, si c'est cette voiture, j'y connais rien. Ah, ils vont découvrir leurs nouveaux appartements. <laughs> Est-ce que c'est la première chose que tu ferais en arrivant dans un... <laughs> je pense ouais. Du coup ça c'est une équipe LOL tu as dit C'est une équipe LOL. M19, je connaissais pas du tout donc, ok. C'est russin. Foule-les dans le frigo. What de fuck. C'est pour leur croissance, elle est pas finie. <laughs> <laughs> C'était pas très gentil comme Black oh, ils ont même un piano Mais je pense Ils qu partagent va... quand même un petit peu leur chambre. Hein. On va pas tarder à s'acheter ça, ça chez Eclipse Ouais, tu penses Ouais, ouais, ouais. J'aimerais bien. Sortir de Paris, j'aimerais bien en fait. Sortir de Paris Ouais. En fait. Attends, on va, on va la voir bientôt ou pas le. Bah, je sais pas. la salle de jeu Moi je découvre comme toi. Ah, t'as pas regardé la vidéo Ah, bah non, je voulais me laisser un peu de ah, suspense. Okay. Ça marche. Oui, en non, fait, on voit euh... surtout leur lieu de vie visiblement. Hein. Ouais, ouais, on, va pas, on va pas Ça leur me salle. fait un peu penser au manoir de la Starak. Effectivement. Bon en tout cas ils ont des conditions de travail pas dégueulasses et cette structure prévoit du coup euh, de le faire version, enfin de créer bientôt une team Dota 2 forcément parce que Dota 2 mmh. euh, chez les Russes ça marche du feu et GO. Donc on imagine que ces équipes-là bientôt auront aussi leur gaming house personnelle parce qu'il y a... Voilà les... Les investisseurs, ça s'appelle Strongbow Investment. Euh, ils ont décidé de mettre masse boulette pour faire monter les structures e-sportives russes pour, que, pour faire un peu euh, bouger la scène e-sportive. D'accord, ok. Donc, gros moyen mis. Euh, bah écoute, c'est ce bien ce pour eux. Hein. Et donc tu voudrais euh, une gaming house Eclipsia Alors euh, non, je déconne. En dehors de Paris Non, non, euh... non je déconne. C'est juste bah, que la, bien, la ville de Paris en elle-même. Bah c'est cher. C'est très très cher. Et si Eclipsia pouvait être basée ailleurs, tu vois, ça me dérangerait pas. Ça m'arrangera même en fait. À Tours. À Tours, <laughs> par exemple. Par exemple. Non non mais en fait. Et c'est bien d'être à Paris. Merci Tom qui me fait un doigt d'honneur, je t'ai vu. Et euh, <laughs> c'est bien qu'on soit à Paris parce qu'on peut ramener plein on de monde et vous le voyez, vous le voyez depuis un mois, voire un peu plus. Il y a beaucoup de monde qui y a vient différent. Oui, et même au niveau des partenariats qu'on peut faire avec euh, avec les autres structures, etc. Comme par exemple le plan des sushis vendredi dernier. Oui. Je pense que si on n'était pas à Paris, tu vois, ça aurait Après, été plus compliqué. Après, dans une autre grande ville, ça aurait été faisable. Oui, mais bon, la plupart des sièges sociaux, etc., sont quand même basés à Paris, et c'est normal. Honnêtement, oui. euh, voilà. Paris, c'est quand même un point central, et puis même pour se déplacer dans le reste de la France, tout part de Paris. Fin... Oui, bah, c'est sûr, bah, c'est la capitale, quoi. <laughs> est... Tout est <laughs> tout plus facile. Effectivement. C'est quoi T'as d'autres sujets, du coup Oui. Oh là là, il est pressé. Euh, non, moi, non mais pardon, on parle de j'ai Excuse-moi. Go partir à Montréal. J'avoue. Oh, Montréal. Oh, Montréal. Ouais Montréal. Bah après Montréal on voyage. Il euh... y a de la neige. Il y a de la neige. Il <laughs> <laughs> y a jamais eu de neige à Paris. Bien sûr que si. Si. Cette année. Il y en a, a, eu. Cette année, y en a contre, eu la semaine y en a dernière. Cette année. Oui mais de la neige qui reste par terre, non Ah bon. Je l'ai pas vu. Alors, Ça doit faire longtemps. J'étais où la semaine dernière Oui. <laughs> J'allais dire. Parce que moi j'ai vu une Ou deux fois la neige quand j'ai été au ski, tu vois. Mais euh, sinon, j'ai jamais vu la neige. En Bretagne, il neige pas par chez moi. Ah oui, bah, tu parce que je suis vraiment en bord de mer et du coup, à la rigueur, il y a de la neige fondue, etc. Mais j'ai appris à faire du ski à. Je ne dirais pas quel âge. T'es euh... <laughs> 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 quasiment pas allé au ski du coup Non, j'ai fait, pre... fait du ski pour la première fois quand j'étais sur Antibes parce que forcément, le sud de la France, il y a les Alpes pas très loin. Ouais. Et puis même tu as les premières stations de ski à une heure euh, de route. Du coup, euh, là j'étais allée, mais bah, j'étais déjà active dans la vie professionnelle, si vous voulez ce que je veux dire. Je sais. Quoi On exporte Eclipsia à la montagne. Non mais alors ça, ça comme serait... ça on fait des lives en montagne. Non mais ça, ce serait, serait trop faisable. Cool. Genre il y a souvent des émissions, genre euh, regarde touche pas à mon poste, je sais pas si c'est la méga référence à prendre, mais n'empêche que c'est le genre d'émission, ou même les émissions de radio. Manu à la radio le matin. Bah, ils ont fait leur petite émission pendant une semaine à la montagne comme chaque année. Ouais, ah, ça serait stylé en vrai. Ce serait trop bien. On irait faire des activités de ski, on filmerait, on passerait les best-of. Genre, dans, à rien, rien qu'une semaine, après. tu vois, dans notre petit chalet. Et genre un partenariat. Bon, petit chalet en vrai. Euh, non, il nous faudra un truc comme en Russie, quoi. Mais à la montagne. Là, ce serait cool. Mais en comme vrai, de... il y a des trucs de à machin, faire, mais là. comme toujours, ça demande des budgets, du moyen. Oui, euh... c'est sûr. Et voilà, le truc des émissions à la télé ou même à la radio, regarde à la radio, déjà, <laughs> par rapport à nous, ils ont la possibilité de doubler ton salaire le matin quand tu téléphones. Euh, voilà Le jour où on fait ça, on aura beaucoup plus de viewers, je pense, tu vois. Oui, mais bon. Bah, <laughs> Appelez-nous en fait, et gagnez 500 000 euros. En fait, il y a beaucoup de personnes qui appellent, du coup, ça leur fait de la thune, du coup, ils peuvent faire gagner ça, tu vois. C'est tout con. Donc, bah, quand est-ce qu'on fait ça comme ça, après, on peut aller à la montagne. Peut-être tu regagnes un séjour au ski à quelqu'un, tu vois. Il y, a des, il y a des choses à faire. On aller j'ai des idées. Ski. On verra <laughs> après pour vous. Hein. Alors hier, j'ai joué un petit peu à Paladin. Ouais. Toi aussi, tu joues à Paladin. Oui. Il y avait le débat d'ailleurs en BO3, l'émission euh, BO3 Talk de Kenny. C'était le débat euh, Paladin-Overwatch. Je ne sais pas qui a gagné. Alors, il n'y a pas eu de gagnant parce que... Je crois que le nom du joueur d'Overwatch était igg oui. H Y G. Ouais. Bon, il était un peu stressé, un peu trop gentil, tu vois. D'accord. Donc il n'y avait pas vraiment de clash. Kenny, il essayait de relancer le débat en posant, en posant des questions un peu, un peu piquantes à quoi tu vois. Et bon, les deux se confrontaient pas vraiment. Enfin, ok. Ils donnaient leur point de vue, mais tu vois, sans, sans clasher l'autre jeu ou quoi. Donc, euh, en fait, c'est compliqué de, de trouver deux une... personnes. Oui. Bah, ont... Il faut deux personnes de base qui s'aiment pas trop. Là, il y aurait du clash. Alors pourquoi pas Mais ah tu bah vois. Si. Là, Regarde pourtant, les émissions politiques. Pourtant, le sujet, ça, ça se prêtait bien au clash, tu vois. Mmh. Il y en a pas eu, c'est dommage. J'attends vraiment. L'émission avec du clash. L'émission PC versus Mac déjà. <laughs> et surtout, ou, surtout euh, PC versus console ou PS4 versus Xbox One et tout, enfin. Mais là, c'est si pareil, il ce faut y a prendre des gens. Dans ce cas, qui ont un gros tempérament, ben ils ont pas va, peur d'en On va prendre des viewers. Des viewers. <laughs> les viewers full salés de, de League of Legends. <laughs> non, ce sera marrant. Mais voilà, j'attends vraiment l'émission. Même Kenny, tu vois, pour lui, c'est pas évident parce que les, les émissions, c'est un débat. C'est un versus. Et... Oui, c'est ça. La première émission, tu vois, avec Kaelan et. Qu'est-ce qu'il avait en face Tes moments, oui. En fait, ils étaient tous les deux d'accord sur le même sujet. Donc, bon, ça peut arriver. Et effectivement, trouver 50 sujets vraiment clash, parce qu'il va y avoir 50 émissions, c'est pas évident. Mmh. Donc, bon, ça peut arriver que les personnes soient d'accord sur le même sujet, mais. Après, bah, on a de très fortes personnalités, un peu salées, dans le milieu du stream. Oui, c'est sûr. Qui pourraient euh, potentiellement partir en live sur ce genre de. de effectivement, c'est ça que j'attends du coup. J'attends juste <laughs> que quelqu'un parte en couille, et que ça se casse des et bouteilles -toi sur avec la tête, ton etc. etc. Quoi. Ah, génial! <laughs> Bon voilà. Du coup, paladin Oui, du coup, paladin. Et donc j'ai découvert qu'il y avait un nouveau champion qui était sorti. Ah qui ouais Il s'appelle Maeve. Ah oui. Et Maeve. Ah, on dit Alors, Maeve. Bah moi je trouvais que ça justement. ressemblait à Maeva, mais avec un E à la fin. Ouais, c'est ça. C'est soit Maeve, soit Mive tu vois. En écoutant bien, elle fait Maeve, genre... Ouais. E puis I, tu vois. Okay, si voilà. tu veux, bref. Appelle-la comme tu veux. Bref. Et je la trouve chouette. Moi qui suis pas spécialement habituée à jouer euh, assassin. Parce elle que c'est quand même hyper subtil dans le sens où il faut toujours être en mouvement, c'est pas tu forcément peux nous quelque chose que ai de gameplay, super hein. bien. Merci. Il faut euh, la... en gros Cove est passé un moment dans les bureaux et il m'a dit il m'a donné quelques trucs tu vois pour euh, oui. essayer de mieux la jouer et c'est génial parce que elle a une capacité pour se déplacer plus vite qui fait qu'elle oui. se régène elle peut aussi se soigner et elle fait chaque un coup, enfin, en gros tu as clic droit clic gauche clic droit tu as tué quelqu'un. Et c'est génial quoi. Et surtout, elle a une capacité pour remettre à zéro tous ses cooldowns. Ouais. Et ça, c'est bien. Ah, tu tu l'as testé un peu du coup Ah, bah, c'est mon Et perso tu... préféré. Ah ouais, c'est ton perso préféré. <laughs> voilà. En gros, pour ceux qui ne jouent pas à Paladin, déjà, je vous conseille d'y jouer. Parce que c'est gratuit, vous ne perdez rien. Même si vous avez un Mac, je peux jouer avec fluidité voilà, donc là, sur le MacBook. Elle a en fait, ce qu'elle lance. Ouais, voilà, donc là, c'est ses dagues, c'est son attaque de base. C'est vraiment un. Un perso qui est fait pour euh, choper un peu quelqu'un par, par ouais, derrière bah, et en 1v1 oui, c'est pas flank. le champion qui fonce dans le tas du tout, c'est... voilà. Bon là elle montre son auto-attaque donc c'est intéressant, hein. elle balance de dag comme vous pouvez le voir. Ensuite son clic droit c'est un dash en avant. Qu'on peut se servir soit pour attaquer, il stun un peu les gens, mm. ou alors pour fuir au contraire. Ouais pour fuir aussi. Donc voilà, là, là elle va faire son dash, etc. Ensuite vous avez le... le... c'est quoi C'est le F pour se déplacer plus vite. Et le, la touche mage, bon là il a changé ses, ses bindings mais c'est pas grave. Ça ça remet à zéro vraiment tous vos cooldowns et en plus ça vous soigne. Et donc du coup vous pouvez faire des trucs de ouf, genre vous pouvez vous déplacer deux fois super vite, vous pouvez faire deux fois le dash et vous pouvez juste défoncer tout le monde. Et son ulti, <laughs> son ulti ah, il ça, rend. ça sert le truc licorne par terre, hein ouais d'accord, ouais, je ça. pas Son ultimate, tu l'as utilisé ou pas oui, le E ça, ça vision, réduit le champ de vision de, euh, de tes adversaires. adversaires et ça c'est juste cheaté en fait parce que quand t'es en plein en plein fight que tu vois plus rien autour, bah es quasiment sûr de crever quoi ou enfin mmh. de pas toucher ta cible en tout Franchement, cas. Franchement c'est sympa. En plus elle a des couleurs très sympas qui vont vachement bien avec la licorne de la Saint-Valentin dont j'ai fait l'acquisition hier. Donc là je peux te dire que je pète des cœurs par l'arrière-train, tu vois. <rire> <rire> enfin c'est suis... beau. Alors, justement, il y a Sky pour vraiment. Enfin, elle a un skin vraiment Saint-Valentin. il va est un peu violette, tu vois, c'est pas bah ouais, mais ça rose, va parfaitement euh... avec la licorne. C'est un perso euh, avec une bonne touche. Euh... Tu vois, autant j'aimais bien Ling pour le skin, surtout le skin du génie, même si je l'ai pas. Mmh. Bon, après, on a vu avec Wave qu'il y avait des persos, même moches de base, qu'on pouvait rendre mignons. Oui. Euh, tu sais, la grosse tortue, là, dont le pseudo. Makoa. Euh... Makoa, voilà, les temps que les pseudos me sortent un peu de. <laughs> ça rentre et ça sort. <laughs> Mais il a la version Bisounours, suisse, c'est trop mignon, quoi. Enfin bon, voilà. Euh, oui, encore une fois, Paladin, choisis, c'est gratuit. De toute façon, il y aura d'autres streams Paladin à venir. Oui, a... je crois que lundi prochain et lundi encore après, il y a deux sessions d'arène Paladin. C'est euh... possible. Voilà. Donc d'ici là, j'essaierai de la pique. Parce que souvent, ils prennent déjà les dégâts, les assassins, les tanks. De ah, toute façon, Miv, bah, t'es sûr d'en voir une retrouve... par game. Ah, elle les pique toutes les games. Hein. Mais elle est, elle est abusée, en fait. Hein. Ouais. Elle est vraiment cheatée. Elle rend fou. Ouais, voilà, ça, c'est la gueule de Maco à la tortue. Et il a un skin euh, Mais boule on de laine, en fait. Le skin euh, bisounours. Ah, il y a pas. C'est dommage. Faut que Kwev vous montre le skin bisounours. Alors, sinon, toujours en parlant de jeux vidéo, une annonce assez importante pour ceux qui aiment l'univers en Kama et pour ceux qui jouent à CrossMaga notamment. C'est une mauvaise nouvelle. Si <laughs> je le vois ça en mode Ouais Ah non <laughs> En gros, jusqu'à présent, tu pouvais échanger tes Kama de dofus contre des Ogrines que tu pouvais réinjecter par exemple sur CrossMaga pour t'acheter des boosters. Mmh. J'ai tardé à le faire moi-même personnellement. Et t'as vu, j'ai acheté 60 000 au green euh, avec mes kamas l'autre jour et en fait j'ai atteint le seuil max. Ouais. Sauf que pour avoir le pack à 99,99€ ,99€, pour pas dire 100 euros, c'est 78 000 au green. Donc il me manque 18 000 au green si je veux prendre ce pack. Et je pense que j'ai atteint le quota. Je sais pas tous les combien de jours c'est renouvelé, mais ça se trouve c'est au mois. Je suis en train de me dire. Là, tu peux toujours pas le faire actuellement. Non, j'essaye tous les jours de racheter les 18 000 manquants et je n'y parviens pas. Et la mauvaise nouvelle, c'est que à partir de fin février, là, eh ben ce sera fini. L'échange de Kama versus o green pour ensuite acheter des boosters. Eh ben ce ne sera plus possible. Ce sera qu'avec euh, ben, les euros. Voilà, donc mauvaise nouvelle pour ceux qui se servaient de leur Kama Dofus ou sur Wakfu, d'ailleurs, ça marchait également. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont intégré ça si Je pense pour que c'est un choix parce qu'ils ont une perte de manie financière probablement. Parce que clairement, pour monter dans le ladder, il faut avoir les cartes, il faut que tes oui, infinites soient montés et ça, ça demande des kamas dans le jeu. Hum. Et du coup, euh, il faut. Euh, t'es obligé de dépenser des euros à défaut d'Ogreen bientôt. Et c'est la faire. déception. Voilà. Je suis vraiment déçu là en vrai. Parce, parce que. que T'avais profité de l'offre ou pas encore Non, bah non, parce que sur Dofus, je suis pauvre. Ah <laughs> oui. Mais. Alors, tu vois, justement, il y a déjà ce système sur Dofus et sur Waku, je pense, de s'abonner via les kamas que tu te fais en jeu, et ça leur fait aussi un déficit en fait. Mm. Et pourquoi ils enlèvent ce système sur Crossmaga et pas sur l'autre jeu, tu vois Mais je pense qu'ils étaient vraiment perdants. En plus, le jeu prend une hype. Euh... Là, ça commence vraiment à monter ensemble. Donc, là par exemple, il va y avoir le Montpellier Sport Show. Mmh. Il va y avoir du tournoi CrossMaga, bon, par le chemin, on va dire. Il va y aussi avoir du tournoi d'Office 3v3. Mais je sais qu'en en, en ce qui concerne la partie Cross Maga, il y a tous les joueurs pro Hearthstone de Gamers Origin qui sont en train de s'y mettre. J'ai même vu que Tude, de -Tude, tu vois, avait tweet à ce sujet en disant J'ai testé Cross Maga, c'est vraiment un jeu génial, euh, intelligent, etc. Ça commence à s'ancrer, je trouve. Enfin, il y a des joueurs pros qui s'y mettent, quoi. D'accord. Ouais. Bah, tant mieux. Donc euh... C'est bien, si le jeu prend de l'ampleur, c'est tout ce que je souhaite pour eux, en fait. Ça, ça peut décoller. Après, on est vraiment au début, on est aux prémices. On peut pas comparer CrossMaga en Kama à Hearthstone Blizzard, c'est pas oui, possible. Sûr. Déjà, ah, ce pas tout après, à fait le même jeu. Je ne sais pas s'il y a des jeux français qui ont énormément percé. À l'international Ouais. En soit, d'office à l'international, ça a vachement bien marché dans les pays d'Amérique latine, par exemple. Ah ouais Ouais. Je savais que ça marchait en Europe, genre en Espagne, en Angleterre, etc. Surtout en Espagne, en fait. Le Maghreb aussi, ça marche bien. D'accord. Mais okay. après, euh, non, Amérique du Nord, euh, clairement pas. Je sais qu'ils avaient ouvert un serveur euh, asiatique, je crois que c'était que pour le Japon, si je dis pas de bêtises, qui a assez vite fermé après. Parce que pas, ça n'a pas pris sur le public euh, japonais. Ouais. Donc euh, voilà, en gros, c'est la France, les pays francophones, un petit peu euh, anglais, enfin les pays d'Europe occidentale, on va dire, et l'Amérique du Sud surtout. D'accord. Ouais, je sais, je sais pas s'il y a des, des jeux qui ont percé ou pas... Enfin, des jeux français qui ont percé vraiment partout. Si vous avez des, des exemples de jeux dans le chat, je suis preneur. Bah après, Ubisoft c'est français. Ouais, c'est français, mais c'est pas des productions françaises du coup. Bah quand même. Bah non. Tu parce veux pas que... être un peu patriote de dire euh, Ubisoft c'est nous, allez les Français. Je sais pas trop. S'ils si ont des bonnes licences et qu'ils marchent à l'international. Oui, c'est vrai, hein mais tu vois, Assassin's Creed c'est pas Ubisoft France qui s'en occupe, c'est Ubisoft Montréal par exemple. Oui, mais c'est la même chose. Bah. Si je veux faire chier. Ah, Dishonored, c'est français Ok, bah, my bad, c'est validé. Bah, j'espère. Bon, voilà, bah, pour conclure sur ça, j'espère juste qu'Ankama va. Enfin, que le jeu d'Ankama va marcher, du coup. Bah, on verra. tout ce que bah, je sais que pour, Bon Il y a un bon ils... programme de festivités Ils, pour sont, le monde ils se, se sont pour mis chaud. un peu dans la merde avec le film Dofus qui a absolument pas marché. Pas marché à la hauteur de les espérances, je pense. Il y a eu genre. Euh, je sais pas je combien Je pense quand même que mais... le film, c'est. Rentabilisé. Non. Ils, ont, ils en ont pas gagné d'argent dessus, mais je pense que ça s'est rentabilisé. Ah, ils, ont des, ils ont fait des entrées ridicules. Mais Ils ont fait 50 000 euh, entrées. Un truc comme ça. T'es sûr Ouais. Même pas, je crois. Ah oui, Trackmania, c'est français. Ouais, ça, ça marche. Ça. Ouais, Nadeo. Euh, non, le film d'Ophus, ils se sont plantés, mais je suis même pas sûr qu'ils soient rentabilisés. Moi, ouais, je pense qu'ils se, se sont rentabilisés. Bah écoute, si c'est le cas, tant mieux pour eux en tout cas. Mais euh, par exemple, tu vois, là, il euh, y a également la série Wakfu. D'ailleurs, là, il y a la saison 3 qui va sortir, qui devrait sortir sous. D'ailleurs, on n'a pas plus d'infos. Il y a eu les trailers qui sont sortis, etc. Mais euh, là, il y a eu un crowdfunding et ils ont ramené, boah, ils ont gagné masse d'argent. Hein, ouais. bah ils pareil, ont si la vrai. communauté qui est derrière. La, eux, quand la même, série et... Wakfu, euh, ça, je suis cool. Je suis cool. Qu'est-ce que content. je dis Je suis content. Ouais, oui. Je suis content qu'ils fassent une saison 3 parce que j'ai vraiment adoré cette série. Et ils ont vraiment. Un don pour les animations Shankama, en fait. Enfin, pour les dessins animés français, en tout cas, les combats sont vraiment très très bien faits. Et voilà, c'est tout ce que je demande, en fait. Les animations sont cool, les textes, bon, c'est un peu enfantin, c'est normal, c'est du dessin animé, mais ça reste un bon scénario, etc. Moi, j'adore. Je suis preneur. Enfin, voilà, donc c'était en gros, dépêchez-vous, vous avez jusqu'à la fin du mois si vous voulez profiter encore de l'offre au Green sur Cross Magia, parce que c'est bientôt fini. Et c'est vraiment triste. Ça euh... correspond aussi à la fin de la saison d'ailleurs ah bon ah oui, oui ça y est parce qu'il y a un système de saison oui, les saisons sur être mis... alors il n'y a pas de dos de cartes ça sera des socles mm. mais euh, avec des récompenses de cartes etc à chaque fin de saison et donc ce sera tous les à la fin du mois aussi ok ça marche voilà voilà et donc tu parlais un petit peu de de cul tout à l'heure faut bien le dire <rire> <rire> alors il y a une émission un peu spéciale qui va sortir mais vu l'heure eh bien euh, je vous en parlerai après la pause voilà ah je veux Six savoir sense. ah bah non teasing mais dis-moi non putain c'est horrible Surprise. vite Attitude. la pause vite